Maman. Merci beaucoup. De rien, maman. J'ai fini. J'ai rempli tous les récipients. Oh, vraiment? Oui, maman. Merci. Merci, ma fille. Maman, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à me remercier. D'accord, je vais arrêter de te remercier, mais merci. D'accord, maman. Allez, tu peux prendre ça. Ah, non, maman. Maman, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je fais ces services parce que je t'aime de tout mon cœur. Je sais, mais j'insiste, prends. Hey, non, maman, je ne peux pas prendre cet argent. Ma mère ne sera pas aussi d'accord avec moi pour ça. Kiro, non, maman. Je veux que tu te sentes à l'aise avec moi. Allez, prends, s'il te plaît. Je t'en prie. Ah, maman, je prends juste cet argent parce que je ne peux pas du tout te désobéir. Je sais. Merci. Prends. Merci, maman. Je t'en prie. Tu sais bien que tu peux passer chez moi quand tu veux m'aider avec tes petits travaux. Je vis seule. Maman, pour ça, il n'y a pas vraiment de problème. Je te jure. Je suis contente de le faire pour toi à tout moment. Pas de problème. Merci beaucoup. Hé, maman, tu vas me tuer avec des merci. Ça va. C'est bon. Je ne veux plus te remercier, ok? Mais merci. J'ai vraiment apprécié. Tu as encore dit merci, oh. Merci, merci, maman. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Que Dieu te bénisse. Je m'en fais déjà. D'accord. Mes salutations à ta mère. Oui, maman. Merci encore une fois. Tu vois que c'est toi qui me remercies. Ah, ok, maman. Bye, bye. Au revoir. D'accord, maman. Prends soin de toi. Maman, es-tu sûre que je dois partir avec cet argent? Bien sûr. J'ai été les donner avec toi, mon amour. Ok. Oui. Merci, maman. Tu veux que je t'en donne plus? Ah non, maman, ça suffit. C'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Au revoir. D'accord, maman. Mes salutations à ta mère. D'accord, je le ferai. Bye. Merci. Mon Dieu, laisse-moi d'abord compter cet argent. Neira. Hey! Cette femme a beaucoup d'argent, oh. Pouvez-vous imaginer qu'elle m'a donné 5000 Naira juste parce que j'ai posé pour elle de l'eau et j'ai nettoyé pour elle la maison? Hey! Je n'abandonnerai jamais cette famille pour n'importe quoi. Jamais! Comme je n'arrive pas à voir son fils, je vais toujours me coller à cette famille. Oui, oh. 5000! Kirou, Kirou, oh mon Dieu! Ce sentiment est partagé, vous savez. Mais juste en regardant vos sacs, vous de même, vous venez de faire du shopping. Je savais que ça serait possible. Je dois toujours être heureuse, tu sais. Allez, c'est bon, ça suffit. Arrête de nous chanter tes louanges. Parce que je sais que tu es l'une des filles les plus chanceuses que je connais.
Mm-hmm. Ma chère amie, honnêtement, j'aurais voulu être à ta place, je le jure. Ne souhaite pas ce que tu ne sais pas réellement. Mm-hmm. Puisque celui qui a mis les chaussures, il est le seul à connaître là où ça fait plus mal. Mais ce sujet est en dehors de mon agenda aujourd'hui. Comment va ton mari? Il va à merveille. Mais pourquoi il n'irait pas bien? Au moment où il a une ravissante et élégante femme à ses côtés. Ma chère, il ne paie qu'à le bien. Tu peux encore le redire, bébé. Oh mon Dieu, arrêtez avec vos éloges. Méfiez-vous des apparences. Ok, sérieux. Quand est-ce que vous venez me rendre visite? Bien, je pense que c'est lorsque tu auras envie de voir nous deux chez toi. Mm-hmm. Vraiment, oui. Sentez-vous à l'aise. Ça sera à votre convenance. Vous savez que ma porte est toujours ouverte. J'aimerais bien avoir mes défauts folles parce que votre présence me rend très heureuse. Attendons un peu. Depuis qu'on était là, on est en train de parler, mais je constate que à gorge sèche, on ne va rien prendre ou quoi? Pas de boisson aujourd'hui. Les barman! Serveur, je t'en prie, viens vite. Parce que aujourd'hui, j'ai besoin de dépenser de l'argent. J'ai besoin de vider les comptes bancaires de mon amie ici présente. Peux-tu imaginer? Vraiment, ma chérie. Oh, dépêche-toi. T'es pas sérieux. Balaye très bien. Oh. Maman, c'est ce que je fais. Ah, Godia. Eh oh, Naï. Tu pars déjà? Oh oui. Je dois aller à cette réunion de conseil, tu vois. Bonjour, papa. Ah, bonjour, ma fille. Comment tu vas? Ça va. Naï. Oui. Rosie a appelé ce matin. Ok. Elle a dit qu'elle appelle ton numéro, mais ça n'est pas. Oh, vraiment? Mon téléphone, il me cause du tort. Hein? Ça fait un bon bout de temps que cela me pose de sérieux problèmes. Hein? Je ne sais plus quoi faire avec ce téléphone. Non, il va réparer ton téléphone, non? Ou tu peux appeler aussitôt de t'acheter un autre? N'implique pas qu'aussi dans la réparation de mon téléphone. Ne te dérange pas, je vais le réparer. Quand j'aurai l'argent et même quand j'aurai le temps, ne l'implique pas s'il te plaît. Papa, qu'est-ce que tu dis toujours? Hein? T'inquiète, je dirai à côté dès qu'elle viendra. Je sais que tu as toujours réfléchi de ta manière et je ne peux pas t'en empêcher. Vas-y et fais ce que tu veux faire. Mais tu vois, je ne peux pas m'y échapper. Comment peux-tu échapper à ça? Lorsque tu es toujours résistant aux choses utiles. Ah. Tu sais, si je commence à discuter avec toi du matin jusqu'au soir, nous n'allons pas arrêter. Alors laisse-moi m'en aller. Je pense que tu as gagné. Va bien. Au revoir, papa. C'est bon, je sais que tu es madame gagnante et tu aimes gagner à tout moment. Tu gagnes alors. Bye bye, oh, Naïo. Papa, prends soin de toi. Biako, hey, prudente. Maman. Même lorsque j'appelle le nom de ta soeur, tu dois toujours appeler. C'est ma soeur. C'est quoi? Biko, laisse d'abord ce que tu fais. Si tu rentres, tu vas continuer avec ça. Va chez maman Ichoma. Hein? Va me prendre... comment on appelle ça encore? Ekuna, dépêche-toi. Ok. Vite. Hein? Mes mains sont en train de me déranger. Dépêche-toi. Dépêche-toi, oh. D'accord. Tu vas continuer avec ce que tu es en train de faire ici. Bébé, arrête. J'en ai encore envie, s'il te plaît. Chérie, calme-toi maintenant, s'il te plaît. Ok, la journée était vraiment fatigante. Alors, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de dormir, s'il te plaît. On le fera demain, je te le promets. C'est ce que tu as toujours l'habitude de dire. T'en fais pas, on le fera demain, je te le promets. Cause I'm so hungry, hungry for more of your love. All this is temptation, it's just too much. Kossi, est-ce que tu vas bien? C'est que tu as un problème. Franchement, c'est aussi ce que j'ai remarqué.
C'est comme si elle n'a pas envie de parler. Ma belle, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien qui ne va pas avec moi. Je vais bien. Tu vas bien? Bébé, tu peux bien nous mentir. Mais en tout cas pas à toi-même. Je veux dire, nous sommes tes amis. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui te dérange? Tu peux te confier à nous. Nous sommes tes amis. Je veux dire, ça, c'est pas le Kossi que je connais. C'est clair qu'il y a quelque chose qui te dérange. Et cette chose doit être ajustée. Raconte-nous, c'est quoi le problème? Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. La situation est plus grande que moi. C'est vraiment sérieux? Peu importe la gravité de ces problèmes, tu peux toujours en parler. Je meurs d'une satisfaction sexuelle. Oh, désolée. Je ne comprends pas. Mais ton mari est là. Oui, oui. Il est vrai qu'il est là, mais je me sens tellement vide. Il n'arrive pas à me satisfaire. Là, c'est même quand je m'en plains en maintes reprises. Pardonne-moi si je peux demander. Mais dis-moi c'est quoi la raison, parce que là, la dernière fois quand j'avais checké, ton mari avait l'air sexuel très actif et il était très fort. Sérieux? Ses raisons, c'est soit il est fatigué, après une longue journée de travail, d'arrache-pied et toutes ces choses. Ce ne sont que des excuses. Je souffre, pour vous dire vrai. Maintenant, je comprends. Alors, sérieusement, c'est vraiment un problème très pertinent. Ok. As-tu fait tout ce que tu pouvais? Je veux dire, as-tu essayé de faire tout ce que tu pouvais juste pour les pousser encore plus loin? J'ai déjà fait tout de mon possible. Mais il n'y a rien de positif. Mon ami, regarde. Tu dois faire quelque chose. Ok? Tu dois les séduire. Il ne veut pas m'écouter. Humainement, je fais tout ce que je pouvais, mais... Fais de ton mieux. Je veux dire, séduis-le. S'il ne réagit pas, prends en charge. J'ai déjà fait toutes ces choses. Mais ça ne marche pas. Si toutes deux vous insistez, là, je vais reprendre mes efforts. On insiste. On insiste. Eh ben, ma chérie, je partage ta peine. Et je suis vraiment désolée de tout ce qui t'arrive. Mais t'inquiète pas, tout ira bien. Ok? J'espère bien. Ok. Non, sérieusement les gars, c'était trop bon. Mais je ne peux toujours pas croire. Quand a eu lieu ce brusque changement? Quand? C'est vraiment incroyable. Alors, comment va ta femme? Ma femme va très bien. Oui, très bien. Ouais. Bien, je te crois. Je sais que tu prends très bien soin d'elle. Bah ouais, si je ne prends pas bien soin de ma femme. Dis-moi, de qui vais-je prendre soin au juste? Mais les gars, vous deux là, quand est-ce que vous allez quitter le célibat? Et quand allez-vous quitter l'état dans lequel vous vous trouvez? Tu recommences encore. Bien, pour moi, je n'ai pas encore vu la femme qu'il faut. Dès que je la vois, je pense que je pourrais... Je ne comprends pas là. Donc, depuis tout ce temps, tu n'as jamais trouvé... Qu'est-ce que tu racontes juste? Arrêtez de déranger la vie de ces filles. Ah, voyez-moi mon pote. C'est pour que le corps et l'âme cohabitent. Écoute, c'est un exercice très important. C'est un exercice pour la vie. Écoute, d'ailleurs, au moment où je te parle, je ne vois aucune femme qui pourrait me garder juste pour elle. Non, 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 pas maintenant. Écoute, si tu n'es toujours pas prêt de te mettre en couple avec une de ces filles, hein,
pourquoi ne pas simplement les laisser aller en paix? Laisse-les partir, oh. Hein? Juste flirte, flirte, c'est pas bien ça, c'est pas du tout bien, man. Voyez-moi qui parle. Richard. Mm-hmm. Attends. Ça, c'est vraiment Richard? Demande-lui, oh. Donc, c'est maintenant Richard qui nous prodigue des conseils en ce qui concerne les femmes. Ok. Ok, fais une pause. Regarde un peu en arrière. Pense à nos jours à l'école. Qui était notre mentor? En matière de femmes, c'était qui? Oh, ça, il y a vraiment très très longtemps de ça, là, tu vois? Ok? C'était il y a longtemps, plus maintenant. Là, j'ai totalement changé. Donc, je vous dis, les gars, le mariage, c'est très bon. Vous ne pouvez comprendre ça. Et j'aime énormément ma femme. Attends un peu là. Essaies-tu de nous dire que tu n'as jamais trompé ta femme depuis que vous vous êtes mariés? Je n'ai jamais trompé ma femme et je ne compte pas le faire du tout. J'aime énormément ma femme. Énormément. Que vais-je gagner en le faisant, dites-moi? Vraiment. Je suis sérieux. Bien, j'essaie toujours de comprendre si c'est vrai. C'est la vérité. Vous savez, je suis content. Il a finalement trouvé une femme qui est capable de te rendre humble. Non, non, je t'arrête tout de suite. Nous ne parlons pas d'une simple femme, là. Nous sommes en train de parler de ma femme. Et oui, elle m'a rendu humble. Mais c'est Oui, ce que non, je ne j'ai conviens dit. pas, elle m'a rendu humble. Et c'est exactement pourquoi je veux que vous deux, là, vous puissiez aller vous marier et surtout de vous trouver des femmes qui vont vraiment vous rendre humble. Nous parlons de la même chose ici. Le mot commun, c'est humble. Ah non, 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 écoute, écoute. Quand tu vas te marier, quand tu vas aimer ta femme, tu comprends ça? Et c'est là que tu vas commencer à réfléchir comme d'une manière très différente. Tu comprends ça? Et c'est ça qui va t'amener à devenir humble. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que devenir humble, il n'y a pas que devenir humble ou gentleman. Là, au moins, tu vas commencer à réfléchir plus différemment que tu ne le fais maintenant. OK. Oh oui, je te dis vrai. Ma sœur, ça fait tellement longtemps. Ah, Ijoma, Ijoma. Rebecca de Rebecca, les sauveurs de toutes les femmes de ce Ah, village. Ijoma, tu me fais des compliments comme ça, j'espère que tout va bien. Tout va bien, oh ma sœur, tout va bien. Comment va ton fils Richard avec sa famille? Ils vont bien, merci. Je vois bien que tu reviens du marché. J'étais allée m'acheter quelque chose. Oh, tu ne devais pas aller jusqu'au marché, juste pour ça. Je t'ai toujours dit d'appeler ma fille au besoin. Il faut toujours appeler ma fille au cas où tu as besoin de quelque chose du genre. Une femme charmante et riche comme toi ne peut pas se donner des stress comme tu le fais. Ijoma, sais-tu au moins combien tu es gentille? Ta Oh. fille a hérité cela de toi. Elle est très gentille, juste comme toi. Eh Merci là, beaucoup. merci Elle beaucoup. vient souvent à la maison m'aider. Hein, madame. Entre fait, merci pour l'argent que tu lui as donné la fois dernière. C'est rien, ta fille est très gentille. J'aurais dû lui en donner plus. Oui, c'est ça. Merci, Oui. hein. Au revoir. Rébé, Mais ça touche à toute la famille. Ok. Ok. C'est bon. Tchaï, voilà les femmes qui respirent. Rebecca, Rebecca. Ha! Indéo. Persiste pas pendant longtemps. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh. Comment m'y prendre? Ça me frustre tellement. What I'm having is not enough for me.
Cause I'm so hungry, hungry for more of your love. All this is temptation, it's just too much for me. This is temptation, I can't take it. Ah, où est-ce que tu m'amènes, Thierry? Je vais juste te montrer un truc. Je t'ai amené quelque chose. Oh. Allez, patience, patience. Chérie. J'ai une surprise pour toi. Oh, mon amour. Un, deux, trois. Tada! Joyeux anniversaire, mon cœur. Oh, mon Dieu. Oh, mon... Tiens, voilà tes clés. Allez, chérie. Je ne crois pas, monsieur. Oh mon Dieu, je n'en reviens pas, chérie. Chut, chut, chut. C'est bon là. Allez, c'est bon. Il n'y a rien de grave là-dedans. Oh allez, c'est bon, chérie. Oh, tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Oui, je sais. Ok, si je ne le fais pas pour toi, pour qui je le ferai? Je sais, chérie. Merci beaucoup. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Tu as accompli tous mes désirs. Accepter quoi? Allez, vas-y, dis-le-moi. Tu sais que je peux faire ce qui est en mon pouvoir pour le réaliser, alors dis-le-moi, vas-y, s'il te plaît. Accepter quoi? À l'exception de rien, je voulais juste te taquiner. Allez, viens là, chérie. Allez, vas-y, oui. C'est ta voiture, yeah. Quand même. Ce style est fou. Je crois que celle-ci me plaît. Je dois en acheter. Non. Qu'est-ce que tu en dis? Au fait, pour moi, j'aurais choisi celui-ci. Ça, c'est mieux pour moi. Seigneur, mais qui fait ces boucans? Cette personne doit sûrement être malade. Moi, je vis plus que ça. Ma chérie, où je vis, c'est l'enfer. Je te dis, alors, ça peut être des gens qui viennent chercher je ne sais qui. Alors, ne le suis pas. Regardons ce qu'on est en train de voir ici. Désolée, je n'en peux plus. Je dois aller voir et savoir qui est cette écervelée. Attends, ma chérie, veux-tu aller te mêler dans des choses qui n'ont même pas de sens, ma chérie? C'est quoi ça? Tu vas aller discuter avec eux ou quoi? Mets-toi là-bas, ma chérie, c'est quoi ça? Viens voir cet habit. Ça, c'est vraiment le meilleur de ces derniers temps. Hé, hey, ma chérie, regarde. Regarde ça. Bébé, t'as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'aussi? Mais quoi? Tada! Mon mari m'a acheté une vraie bagnole! Oh mon Dieu! Dis-moi, jeune fille, que tu es en train de plaisanter. Ce n'est pas de la plaisanterie, tenez. Waouh! C'est vraiment une caisse! Ton mari sait comment te surprendre. Ebens! Sérieusement, il est plein de surprises. Je ne m'attendais même pas à ça. Oh Seigneur, j'aime même plus que tout dans ce monde. Oh. Je suis très certaine qu'il m'aime même plus que sa mère. Ma chérie, un Benz. Benzema. C'est vraiment un Benz. Ma chérie, je ne mets pas autant d'années dans ce mariage, mais tu as beaucoup bénéficié. Oh. J'aurais vraiment un ange pour toi. Oh bien sûr que oui, c'est ce qu'il est. Mon mari me donne pratiquement tout ce dont j'ai besoin. Il est juste exceptionnel. Mais je n'ai pas encore eu complètement tout ce que je veux. Je suis une femme. Je vais bien voir mes enfants. Mes propres enfants, bien sûr. Et le fait qu'ils ne me satisfaient pas au lit me rend triste. Ça suffit, les filles. Maintenant, je ne veux pas que quelque chose vienne gâcher ta joie ou te rendre triste. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire, alors c'est pas le moment de parler de ce genre de choses. Ok, allez, on passe à autre chose. Je vais aller dans la chambre, mettre mes chaussures et mon sac à main. Et juste après, nous allons sortir.
sûr. Bien sûr, bébé. Luffy, vous savez quoi? C'est le moment qu'on aille s'amuser. Oui, c'est pour la célébration. Je reviens. Ben, franchement, ma chérie, en tout cas. Comment tu trouves la marque? Tu as tapé, bébé. Tu as tapé, tapé. Wow. Voyez comment belle et travailleuse ma fille est devenue. Hein? Je ne la laisserai pas commettre la même erreur que je faite en épousant son père pour finir dans cet endroit misérable. La lessive. D'accord. Oui. J'espère que tu n'as pas oublié de vider de l'eau dans la machine à laver. Oh oui, je le fais. Ok. D'accord. C'est bon. Oh, c'est ça. Tiens. Merci beaucoup, maman. Je t'en prie. Merci. Pas de quoi. Merci beaucoup d'être venue pour m'aider. Merci aussi, maman. Maman, je voulais demander ton programme par rapport à demain et après-demain. Et c'est pourquoi? C'est pour que je vienne encore pour t'aider encore plus. Ah, Kiro. Pour le moment, tu as pratiquement tout fait. Mais tu peux toujours venir à la maison, ici c'est chez toi. Tu es libre de venir à n'importe quel moment que tu voudras à ma fille. Merci maman. Je t'en prie. Merci beaucoup. C'est plutôt à moi de te remercier. Pour tout ce que tu fais pour moi, je l'apprécie beaucoup, merci. Ah maman, tu es la reine de merci. Ça suffit. moi je pars déjà. D'accord. C'est bon, passe mes salutations à ta mère. D'accord maman. D'accord. Merci. Bye. 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 Au revoir. Ah. Quoi? Tu vas rester planté là toute la nuit en train de me regarder sans dire quoi que ce soit? Je me sens juste emporté par l'ange qui est à mes côtés. Oh Seigneur, s'il te plaît. Je t'en prie, arrête de me flatter avec tes belles paroles. D'après tout, c'est pas la première fois que tu me croises. Encore mieux, c'est pas la première fois que tu cherches une aventure avec une jolie fille. Et voilà. Et c'est pour cette raison que je te préfère. Tu as une manière très intelligente d'aborder les sujets. Écoute, je crois fortement en nous. En nous? Oh, désolée, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu es charmante. Je t'aime. J'ai commencé à t'aimer dès le premier jour que je t'avais vu. Je sais que je ne suis pas le gars qui est toujours sérieux en ce qui concerne les femmes, mais tu vois, je ne sais pas. Je veux du changement. Je cherche une partenaire, pas juste une amie. S'il te plaît, je te prie de me donner la chance pour que je te prouve mon amour.
Tu ne t'es jamais intéressée à moi, mais pourquoi maintenant? Oui, je sais. Je le sais. Je sais que je ne t'ai jamais abordé, mais cela ne veut pas dire que je ne t'aimais pas. Écoute, je t'ai dit que je t'ai aimé dès les premiers jours que je t'avais vu. Tu as tellement cette forte personnalité qu'aucun homme ne pourra blaguer avec. Je t'ai aimé dès le premier jour que je t'avais vu. Mais j'avais juste peur d'être trop attaché à toi. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Qu'est-ce qui te fait croire que je te ferais cela? Bien, en fait, je pense que j'avais tort de réfléchir de la sorte, mais c'était le passé. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que je ne te les ferai pas maintenant? Oh, parfait! En fait, ce serait parfait maintenant parce que je veux que quelqu'un s'attache à moi. Je veux qu'on puisse m'attacher maintenant. Je t'en prie. Veux-tu être cette femme merveilleuse qui va me faire reprendre mes sens? Parce qu'au moment où je te parle, je les ai perdus. Oh mon Dieu. Attends. Es-tu indirectement en train de me demander en mariage? Parce que c'est ce que tu essaies de faire. Puis-je au moins avoir un calme? S'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, arrête. Un câlin, tu veux dire oui. Ok. Oh, viens là. Oh, viens là. Oh. Merci. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ali, arrête de me regarder comme ça, s'il te plaît. Je ne supporte pas. Oh, arrête ça, s'il te plaît. Ok, très bien, très bien. Luffy, honnêtement, j'étais très surprise. Je n'ai jamais su qu'il pouvait être aussi sérieux. Pourquoi étais-tu surprise? N'est-ce pas que c'était ça que tu voulais? Oui, c'est vraiment ce que je voulais. Mais je ne savais pas que Bobby pouvait être aussi sérieux. Je veux dire, j'ai vu la sincérité dans ses yeux. Permettez-moi de dire ceci. Je suis déjà amoureuse de lui. Trisha. Trisha. C'est mon nom. Fais attention. Fais attention pour ne pas tomber dans l'obsession de l'amour. Bébé, je te connais très bien, oh. Tu me connais tel que je te connais aussi. Ma chère amie, tu prends mal mes intentions. Parce que je vais être très sérieuse cette fois-ci. Je ne veux pas blaguer avec lui. Je ne veux pas gâcher cette opportunité de devenir sa femme. Es-tu en train de planifier comment lui proposer le mariage? Ça, il l'a déjà fait lui-même. J'attends juste qu'il vienne mais passer la bague au doigt. Ok. Je vous souhaite les meilleurs. En tout cas, tous les meilleurs. Mais n'oublie pas quelque chose. Je vais t'attendre ici pour te consoler au cas où tu en auras besoin. Je t'attends ici, ma chérie. Désolée de te décevoir, ma belle. Je n'aurai pas besoin d'une épaule pour pleurer. Je peux tout gérer. Je suis amoureuse. Ok. Oh mon Dieu. Kossi. Kossi. Ah. Depuis que nous avons commencé à causer, tu n'as rien dit. Tu vas bien? Oui, ça va, je vais bien, désolée. De quoi discutiez-vous? Est-ce que c'est vrai? Tu vas bien, Kossi? Vraiment, c'est la vérité? Non, tu ne l'es pas. Ben, je viens de vous dire que je suis désolée, non? C'est quoi le sujet déjà? Bébé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dis-moi, hein? Tu es toujours perdue, c'est quoi? Je ne suis pas perdue, dites-moi, de quoi parlez-vous? Oh. Mais tu...
Kossi, tu as dit que tu vas bien? Non, tu ne vas pas bien, ma chérie. Chérie, tu ne vas pas aller à la boutique? Non, je reste faire la lessive. Après quoi, je vais me reposer. Es-tu sûre? Oui, ça va. Ton visage m'a l'air inquiet, très inquiet. Est-ce que tu vas bien? C'est hier que je suis revenue un peu stressée du boulot. Comment as-tu pu permettre cela alors? Pourquoi te stresses-tu? Je n'avais pas d'autre choix que de le faire moi-même. C'était nécessaire. Je ne veux pas te voir stressée. Ok? Ok. Très bien, à plus tard. Bye. Bye, chérie. Que vais-je faire? Je souffre dedans de moi. Je veux le sexe. Je veux être satisfaite. Comment dire à mon mari qu'il n'arrive pas à me satisfaire? Je l'aime, je ne veux pas laisser son plaisir. Oh, Seigneur. Jusqu'à quand je vais endurer dans cette situation? Non. Je dois chercher comment le lui dire. C'est lui mon mari. Il doit savoir comment je le sens. I have you, still feels like I have no one with me. You're right beside me, feels like I'm just alone. No one told me when I have everyone to hold me. No touch, no kisses, when I want it more than ever. This temptation is just too much. I can't hold it no more, no more, no more. Someone please come help me. Someone please come change my mind, it's too much. What I'm having. Vous voyez là? Vous faites un tour de ce côté. Prenez également l'autre là que je vous ai montré avant. De là où nous sommes venus. Jusqu'à ce point. C'est là que ça prend fin. Et c'est ça vraiment la taille du terrain. Ça commence là. Vous prenez celui-ci, l'autre là, et ça prend fin ici. Mazé. Ouais. Cette portion de terre et sa taille, c'est exactement ce que mon fils veut pour son projet. Oh! Oui, n'est-ce pas, mon cher? Oh oui, bien sûr, c'est ça même. Votre fils a bon goût, vraiment. Tu peux les redire. Tel père, tel fils. Tu as bien élevé ton fils. Et je suis très, très fier de lui. Il a bien pensé d'aller pour rentrer dans la maison de son père, dans le village de son père, pour... créer une telle facilité. Je suis très fier de lui, puisqu'il a quitté là et est revenu ici. Au lieu de construire là-bas, à l'étranger, dans le pays des étrangers. Je suis très fier de lui pour ça. Oui, Mazi Cheta, je l'ai bien instruit. Ouais. Il n'y a pas mieux que chez soi. Ça, c'est très bien. C'est il correct, est bien n'est-ce pas? Je ne dis pas le contraire. Ok, ça marche. Dans ces cas, nous sommes arrivés à un compromis. Bien sûr que oui. Okay, en fait, je dirais à mon fils de se préparer déjà à faire le paiement aussitôt possible. Ok. Ouais, ok. Ça, c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs, ouais. Mazi Cheta, comment vont tes filles? Elles vont bien. Elles vont bien par la grâce de Dieu. Elles vont bien. Comment va la plus jolie, là?
Oh, Aqualon, elle va bien. Elle se porte très bien. Ah, ah, ma zétide. Ah, ah, y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Crache les morceaux. Prudente, ta fille. Oui. Es-tu une jolie fille? Comme j'avais dit à Mazé Ibe. C'est ça même. Prudente et mon fils ferions un meilleur couple. Qu'en penses-tu? Ah oui, c'est correct. Ok. Genre, créer un bon foyer. Je vois maintenant la direction qui s'apprend. Oui. Hein? Mazé Okole, ce que tu as dit est vrai. Tu as très bien parlé. Mais tu vois, quand il s'agit du fait que nos enfants se marient ou entreprennent des relations de ce genre, je n'aime pas trop m'y mixer. Tu vois, j'aime souvent qu'ils fassent leurs propres choix et qu'ils prennent leurs propres décisions. Tu vois? Tu es un homme très sage. Oh oui! Mais aider nos enfants à prendre certaines décisions pour leur vie, c'est très important. Très, très important. Très important. Très, très, très important. Comme chez nous, on dit. C'est ça même. Ce qu'un ancien voit en étant assis, l'enfant ne saura pas les voir même s'il montait au sommet de l'arbre. Ça, c'est vrai. Vous avez bien parlé. Maziba et Mazioko, vous avez très bien parlé. Oui. Merci. Et je vous ai entendu. Merci. Mais je continuerai toujours à dire que nous devons laisser nos enfants faire leurs propres choix dans des sujets si pertinents qui concernent leur avenir. Ah oui, tu vois, sûr. C'est exactement ce que nous devons faire. C'est okay? Ça. Oui. Vous savez, les enfants de nos jours, ils doivent toujours faire leurs propres choix. Oui, oui. En tout cas, c'est ça. Je même. Vous dis. Maman, je m'en vais. Oui. Bon, moi, rassure-toi de la pressionner. Ah, ah. Tu sais, non? Maman, tu ne crois plus en ta fille ou quoi? Si je ne l'impressionnais pas, elle n'allait pas continuer à m'appeler dans sa maison tous les jours. Ta fille va très bien. Yo, tu as raison. À toi, dépêche-toi. Maman, est-ce que suis-je belle? Ça va. Ça va. Djibé. Reste-toi d'aller. D'accord, maman. N'oublie pas de soulever une conversation concernant son fils. Très important. Important. Je le ferai, maman. Oh, maman, ça. Maman. Nous voici en train de devenir riches. C'est possible. Moi, non, moi. C'est quoi ça? Ne venez pas me déranger. Il n'y en a pas assez pour vous. Ah, Ogodia. Nan. Hein? Bienvenue. Comment tu vas? Je veux bien. Dieu merci. Alors, comment ça a été? Ah, ça s'est très bien passé. Ezoku. Ouais. Hey, Mazé Okoli et son fils aîné. Ils vont effectuer le paiement d'ici là. C'est vrai? Oh oui. Hey! Oh oui. C'est une bonne chose. Une chose de plus. Biko, biko. Viens t'asseoir. Hey, mon mari. Hey! Mazé Okoli, vu en fait qu'il y ait une relation entre son fils aîné et Aqualon. C'est vrai? Oui. Tu veux dire prudente? Oui. Alors, quelle était ta réponse? C'est normal, non? C'est à ma fille prudente de faire son propre choix. Aqualon fera son propre choix. On ne peut pas être impliqué dans leur choix. Il n'y a pas moyen qu'on soit impliqué dans leur choix. Alors, c'est comme ça que les choses vont se passer. Le fils de Mazé Okoli, c'est un garçon très courageux. Je sais ce que je dis, c'est vraiment un garçon très sérieux. D'accord. Personne ne dit le contraire. Non.
Je pense que ça serait mieux que tu réfléchisses à sa proposition. Ah, ah, tu sais que je t'ai toujours dit que nous devons laisser nos enfants faire leur propre choix. Hein? Kosi Sochukwu nous avait amené Richard ici, nous disant « Voilà mon mari ». Et nous l'avons accepté. On ne s'était pas impliqué. Et la même chose sera aussi faite pour Akwamwam. On ne va pas s'impliquer. C'est leur propre choix, leur propre bonheur. Et c'est les gens qu'elle nous amène que nous allons accepter. Ah, mais oui. Pouvons-nous pas d'abord dire à Prudente? Pas si vite. Ah, Naï, tu vois comment toi tu réagis, oh, hein? De quel temps parlais-tu? Prudente! Prépré, ma fille! Maman? Hein, non, viens, 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 ma fille. Hey. Bonjour. Ah, à quoi, moi? Maman, je suis là. Ma fille, viens t'asseoir. Comment ici, tu viens, vas? Viens, vite. Aïe. Ton père vient d'avoir une réunion avec Maze Okoli. Il a dit que Maze Okoli lui a dit que son fils... J'allais dire qu'il a vu que toi et son fils... Maman, maman, hein? S'il te plaît. Je connais déjà la fin de cette histoire. Je ne suis pas intéressée. Prudente, tu n'as même pas laissé finir ce que j'étais en train de te dire. C'est parce que je sais déjà ce que tu as l'intention de me dire, maman. Maman, crois-moi, la façon dont tu vas avec cette affaire, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Tu as vu, madame connexion. Ton travail, c'est de connecter. Tu connectes ici, là-bas et partout. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas laisser ces enfants faire leur propre choix. Ce qui est très très important. Je t'avais déjà dit ça. Hein? Les femmes et les mariages. Hein? Hein? Ok. Satisfaction sexuellement. À chaque fois que nous sommes en intimité, tu ne fais pas arriver au bout. Tu t'es lassé et te fatigues si rapidement. Lève-toi de là. Es-tu aveugle? Es-tu en train de me dire indirectement que je ne suis pas sexuellement actif? C'est ce que tu veux me dire? Non, non. Alors de quoi parles-tu? Mais ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis juste en train de dire que tu peux faire plus. C'est déjà bon ce que tu fais, mais tu n'en fais pas assez. Sais-tu que tu viens de m'insulter en me disant une chose pareille? Le sais-tu? Depuis quand peux-tu dire une telle chose? Tous les jours avant que je n'aille au boulot, nous le faisons. Et le soir quand je reviens et que je monte là-haut, nous le faisons. Que veux-tu plus de moi? Dis-moi, vas-y, dis-moi! Bébé... Oui... Tu fais tout ce que tu... Mais, à vrai dire, la question serait ici. Tu résistes pour combien de temps? Je ne peux croire que c'est toi qui me dis tout ça. Je suis vraiment déçu de toi. Bébé, s'il te plaît, ne me méconfonds pas. Tu fâches pas, s'il te plaît. Ce n'est pas pour te mettre en colère que je le dis. C'est juste pour me dire que nous pouvons améliorer les choses. S'il te plaît, peut-être que mon approche n'a pas été bonne. Mais... Ce n'est pas de l'intention de te... Lâche-moi, c'est bon. What I'm having is not enough for me. Cause I'm so hungry. Hungry for more of your love. All this is temptation. Ok, s'il te plaît. Ok.
Eke. Enke. Enke. Onyabuchi, qu'est-ce qu'il y a? Enke, je n'aime pas ce que tu fais. Accorde-moi un peu d'attention. Tu me stresses. Tu continues à m'ignorer. Hein? Peux-tu répéter? J'ai dit que tu me stresses. Tu es vraiment stupide pour m'avoir dit cela. Je te stresse? Venez écouter cette affaire, oh! Ce petit vaurien me dit que je le stresse. Enke, calme-toi, non? C'est pas arrivé à ce point-là. Tu me demandes même de me calmer. Hey! Qui va tout voir dans ce village ici? Qui te stresse? Je ne vais pas te blâmer. Je ne vais pas te blâmer. Idiot! Toutefois, laisse-moi t'épargner du stress. Nous ne sommes pas de la même classe, je t'en prie. J'appartiens aux gens du niveau élevé de la cité. Tu vois, moi, tu ne sauras même pas prendre soin de moi. Tu ne sauras rien. Tu peux vendre toute votre terre. Je sais n'importe quoi de vos ancêtres ou quoi. Tu ne sauras pas prendre d'un Kiro. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de la même classe. M'as-tu entendu? Alors, n'ose plus jamais me suivre. N'importe quoi. Calme-toi, Enke. Mon Dieu, m'as-tu demandé de me calmer? Donc tu viens d'apprendre un nouveau français et tu viens le pratiquer chez moi? Je ne te blâme pas. Voilà pourquoi je dois quitter ce village vite pour que toutes ces insultes s'arrêtent. Petit rat. N'importe quoi. Oh! Regardez. Idiot. Ok, je finirai par travailler à la cité. Va à la cité, n'importe quoi. Chérie, ton petit déjeuner est prêt. Je n'ai pas faim. Je mangerai sûrement quand j'aurai faim. Donc je ne mangerai pas ici. Je ne peux pas sortir les ventres vides. Si c'est à cause de ce que je t'ai dit la fois dernière, je suis désolée. Es-tu fâchée contre moi? Pardonne-moi, chérie. Kossi, t'excuser ne fera pas ce que je mange la nourriture. Ok? Ça ne fera pas ce que je mange ta nourriture. Connais-tu le degré d'insulte que tu m'as infligé hier? Le sais-tu? Tu m'as regardé en face pour me dire que tu n'étais pas sexuellement satisfaite. Bébé, désolé. Ce n'est pas pour t'énerver que j'avais dit ça. Je te promets que je ne vais plus le répéter. Si nous en parlerons quand je reviendrai, parce que là, je suis vraiment en retard, ok? No touch, no kisses. When I want it more than ever, this temptation is just too much. I can't hold it no more, no more, no more. Someone please come help me. Someone please come change my mind. Je ne m'attendais pas à voir cette réaction qu'il m'a donnée. Il ne s'inquiète même pas de comment je ressens moi. Il est juste en train de faire le masculin. Ma chérie, les hommes n'aiment pas qu'on les insulte. Ils se sentent intimidés. Ça, c'est vrai. Tu vois, quelquefois, ils n'ont pas toujours raison. Mais ils refusent de l'accepter et ils protègent seulement leur côté des hommes. D'accord? Tu as entièrement raison. Et crois-moi, ton mari sait parfaitement que tu as raison sur toute la ligne. Mais il ne va pas l'admettre à ta présence. Tu sais, tu dois observer et savoir où il a changé. Quelquefois, il peut te le dire. Je sais que c'est très difficile parce que ces choses ne se discutent pas hors de la maison. Mais parce que nous sommes des amis, nous devons nous le dire. Ok. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Cherche-toi un vibromasseur. Ah ah! Ma chérie, tu as raison. C'est la solution parfaite pour une situation comme celle-ci. Mais comment depuis tout ce temps je n'ai jamais pensé à ça? Je suis en train de parler des noms et non d'un instrument. Genre, j'ai besoin d'un être humain.
Je vais sentir que je suis en contact avec un homme. Et alors? Et alors? Ok. Bien. Pour le moment, je suis sans mots. Si mon petit conseil ne sera pas considéré, alors contente-toi de ton mari. Ok. Alors, dites-moi, où est-ce que je vais le trouver? Là maintenant tu parles. T'inquiète pas, tu vas t'habituer avec les temps. Laisse-moi te dire comment ça marche. Tu ne le mets pas hors du corps, mais à l'intérieur. T'as raison. T'inquiète, tu vas l'adorer. Oui. Je n'aurais jamais pensé que ma femme me confronterait pour cette situation. Et elle a même eu le culot de me dire que je ne pouvais la faire sentir comme une femme. Et j'ai tellement honte de pouvoir accepter cette vérité. Comment vais-je me sortir de cette merde? Comment? Depuis quand est-ce que tu es ici? Juste en vous regardant, vous avez l'air troublé. Je crois que tout va bien. Est-ce que tu as un petit ami? Oui, bien sûr. Et il t'est satisfait? Oui. Et comment fait-il ça? Je crois que c'est privé, monsieur. Ah, excuse-moi. Je suis désolé d'avoir voulu entrer dans ta vie privée, ok? Ça m'est juste venu comme ça, ok? Ok, monsieur, y'a pas de problème, d'accord. Oh, vas-y, mets-les là. Ok, je les dépose ici. Mais, as-tu juste dit qu'il te satisfait? Oui. Il le fait bien. J'en suis sûre. Est-ce que je peux partir, monsieur? Mm-hmm. Les gars, il y a quelque chose de très important que j'aimerais vous demander. Vas-y. En fait, comment est-ce que... Vas-y. Comment est-ce qu'un homme va à l'extrême de satisfaire sa femme au lit? Ah. Richard, cette question m'a l'air très suspecte. Très suspecte, vraiment. Ne me dis pas que tu ne fais pas bien le travail. Ah non, que Dieu me parle, ce n'est pas moi, c'est pas moi. En fait, c'est mon cousin éloigné, ok? Il me l'avait demandé et il a vraiment besoin d'aide. Vous comprenez? Et je lui avais dit oui que j'ai des amis et je leur parlerai afin de lui revenir après. Et ça ne me concerne pas du tout, sérieusement. Dans ces cas, tu lui aurais juste fait part de ton expérience. La manière dont tu satisfais ta femme, c'est simple. Je sais. Mais ce que j'essaie de faire, c'est d'entendre cela venant de vous, au fait. Vous comprenez? Afin de compléter avec ce que j'ai, moi. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Écoutez, ce gars a vraiment besoin d'une relation sérieuse. Et j'ai besoin de... Je lui ai promis, au fait. Je lui ai dit, je te fournirai toutes les informations dont tu auras besoin. Donc voilà exactement ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas comme si j'étais impuissant. Ah! Ok, je vais te donner quelques astuces. Laisse-moi d'abord prendre un peu d'inspiration. Oh non, tu en as besoin, tu en as vraiment besoin. Il est terrible, mauvais gars. Trop bien. Tu sais, pour moi, satisfaire une femme dépend du genre de la femme. Beaucoup de femmes ont une forte libido. Certaines ont
une très forte libido. Mais vous n'allez pas les rencontrer. D'autres ont une faible libido. Voilà, ça dépend. Il y a des moments où il faut laisser la femme contrôler. Tu vois, qu'elle prenne le contrôle. Je ne peux pas conseiller les aphrodisiaques. Parce que ça finira par te rendre faible. Oh, même pas un petit peu. Non, ça, il faut même pas essayer. Juste qu'il soit lui-même, essayera. Exactement. Comment? Exactement. Comment? Je ne comprends vraiment pas. Comment? Comment tu ne comprends pas? Ok, regarde. Qu'il essaye les nouvelles choses. Ce n'est pas répéter les mêmes choses à chaque fois encore et encore. Il faut essayer d'autres choses. Parfois, les surprises sont bonnes. Un rapport sexuel inattendu. Et alors, ton corps, ton esprit, ton âme doivent être focalisés là-bas. Exactement. Et j'aimerais encore répéter. Pas d'aphrodisiaque. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as aimé? Tu as raison. Mais laisse-moi te dire. D'autres hommes sont très égoïstes quand ils sont au lit. Ils aiment souvent se satisfaire eux-mêmes en ignorant les désirs de la femme. Merci, que Dieu te bénisse. J'aime les préliminaires, des longs préliminaires avant le sexe. Bosse sur cette femme. Fais en sorte qu'elle désire la pénétration. Elle va la demander. Et après sa demande, tu pourras la lui offrir. Tu sais, j'aime souvent dire aux gens, pense à ce qui t'avait attiré auprès de ta femme en premier lieu. Ok. Demande la femme, qu'est-ce que tu préfères? Ou comment veux-tu que ce soit? Ou encore, donne-lui la responsabilité, qu'elle soit la responsable. Et après, tu l'auras. Hey, ce gars est mordant. Prof. Maintenant là, je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que... toutes ces filles là, te poursuivent comme des mouches en fait. Non, c'est un professeur. Attends. Professeur. C'est un sociologiste. Oui. Non, en tout c'est cas, c'est ça même. Professeur. Ce mec, non, c'est un sorcier. Wow. Maintenant, je peux ajouter ce que vous venez de dire avec ma propre expérience. Et quand je me verrai avec ce gars, en tout cas, il sera vraiment content. Oui, qu'il fasse exactement cela. Ça va marcher. Mais avant qu'il ne le fasse, il doit venir payer la dîme. Oui, exactement. De son oui. Ça. Soyez prêts, les gars, soyez prêts. Parce que ceci est vraiment spirituel. S'il ne vient pas, on va te suivre. Oui, je sais. On va te suivre. C'est totalement spirituel. Tu es son garant. Non, sérieux, il n'y a que les esprits qui peuvent te révéler. Ça, c'est mon pote. Kossi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vibromasseur. Oh oui, bien sûr. Je sais que c'est un vibromasseur. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Je voulais t'en parler. Je cherchais juste une opportunité pour te le dire. Tu voulais m'en parler, mais tu étais en train de chercher une parfaite opportunité pour le faire, c'est ça? Et tu ne m'as pas dit que tu voulais t'acheter ce truc et tu t'en es acheté toute seule. Et ça, c'est juste pour montrer que tu préfères ce jouet plutôt que moi. Non, chérie, je ne peux pas te remplacer par cet instrument. Comme tu peux le voir, je n'ai pas encore utilisé ça. Je cherchais à avoir ta permission avant de l'utiliser. Tu ne l'as jamais utilisé avant. Alors qu'est-ce que ça fiche ici? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que ça fiche dans cette maison? Kossi, n'en as-tu pas marre?
N'en as-tu pas marre de m'insulter? Hein? Ça, c'est juste pour montrer que je ne suis plus un homme pour toi. Oui, c'est ça. Pour que tu sois à l'aise dans cette maison, tu dois me montrer que je ne suis plus un homme pour toi, que je ne te satisfais pas du tout. Vas-y, continue. J'espère que ton nouvel engin d'amour va t'aider à te satisfaire. Si c'est vraiment ce que tu cherches. Chérie, tu n'as pas mangé ta nourriture. Juste parce que je n'ai pas faim. Comment peux-tu dire que tu n'as pas faim pendant que tu n'as encore rien mangé? J'ai mangé ailleurs. Chérie, tel que je te connais là, tu ne manges jamais dehors. Eh bien, j'ai décidé de commencer à le faire. Est-ce que quelque chose ne va pas avec? Oui, rien ne va avec. C'est moi ta femme, je prends mon temps pour te préparer à manger. Et pourquoi tu dois manger dehors? C'est soit tu n'aimes plus le repas que je fais pour toi, ou encore tu n'apprécies plus mes efforts. Oh, vraiment? C'est comme ça que tu te sens maintenant? Cela te semble insultant? Eh bien, sache que c'est comme ça qu'on se sent. Quand on fait confiance à quelqu'un et que cette personne nous trahit malheureusement. Si tu n'as rien d'autre à faire comme essayer de dormir. Bébé, j'ai besoin de toi. Oh, mais arrête ça. Tu as besoin de quoi? Hein? Et ton vibro, ma soeur, il ne marche plus. Hein? Tu n'as plus envie de t'en servir? Va le chercher. Mets des batteries et utilise-le. Vibro, ma soeur. J'ai besoin de toi, mon œil. Il doit y avoir de l'huile. Va l'utiliser. J'ai besoin de toi. Laisse-moi t'aider. Non, t'es dérange pas. Mais où est papa? Nani. Es-tu prête à t'en aller tout de suite? Oui, papa. Es-tu vraiment sûre que tu es prête à aller? Crois-moi, papa, je vais bien. La tisane qu'a fait ma maman m'a vraiment soulagée. Exactement. Et j'ai examen, donc je ne peux la rater pour rien au monde. Vraiment? Oui, papa. Tu as examen. Si quelque chose t'arrive maintenant et que tu meurs, vas-tu encore faire tes examens? Sans effet. Nai,
C'est quel genre de parole comme ça? Hein? Est-ce que les mots que tu as employés peuvent servir d'exemple? Bigocharomia. Tu me connais bien avec mes mots. Je les ai toujours placés tels qu'ils doivent être. Tu vois, j'ai juste utilisé ces mots pour dire la vérité. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'aime pas ta façon de dire la vérité là-haut. Ma fille est bien maintenant. Bien. Je suis content qu'elle va bien, ok? Et je sais très bien qu'elle ira bien, ok? Ça va, papa, ça va. D'ailleurs, Grande Sœur Kossi m'avait appelé aujourd'hui le matin. Oh. Elle a dit qu'elle voulait que j'aille là-bas rester avec elle pour un temps. Mais je ne peux accepter cela parce que j'ai examen. Oui, elle m'avait aussi appelé. Et je lui avais tout expliqué. Mais je n'avais pas aimé sa façon de parler au téléphone. Oh Godia, ce n'est pas parce qu'elle a parlé avec un ton bas qu'il y a forcément et ça ne va pas. Il faut arrêter d'imaginer des choses. Nai, Kosin Chosuku est ma fille. Je connais sa façon de parler. C'est juste que je ne comprends pas sa façon ce dernier temps. Je t'ai toujours dit de laisser ça entre les mains de Dieu car c'est lui la seule personne qui a le contrôle. Hein? Nous n'en avons pas le contrôle, mais c'est Dieu qui en a le contrôle. Hein? À quoi on... As-tu assez d'argent? Oui, papa. C'est vrai? Oui. Ok. Très bien. Allez, va bien. Ok, papa. Laisse-moi t'aider. Non, papa. Laisse-moi m'arriver. Laisse-moi, papa. Laisse. Allez. Allons-y. Il n'y a pas de problème. Papa, okay. Fais tout ça pour ta mère. Prends soin de toi. Allons-y. Tu connais bien ta mère. En tout cas, toi. Fais attention, sinon ta mère risque de tomber. D'accord. Ok. Oh. Maman, j'ai fait pratiquement tout ce que tu m'as demandé de faire. Mais il ne réagit pas. Je ne sais plus quoi faire. Ma fille, tu avais commis une très grande erreur. Lorsque tu avais acheté un vibromasseur sans son consentement, ça donnait l'impression que tu n'appréciais pas tous ses efforts. Maman, j'accepte que j'avais tort, mais j'ai présenté mes excuses. Mais il ne veut pas m'écouter. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Exerce encore une petite patience, ok? Il va se ressaisir très bientôt. Il t'aime énormément. Il était juste jaloux. Parce que tu as préféré un vibromasseur que lui-même. Ah, maman, je ne l'ai pas utilisé. Je lui ai même expliqué. Je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je l'ai même exposé sur la table, juste pour faire régner la paix. D'accord. C'est ce que tu vas faire maintenant. Cherche à t'occuper maintenant, ok? Il va reprendre ses états lorsqu'il va réaliser que tu ne t'occupes plus de tout ça. Oui, les hommes se sentent en insécurité lorsqu'ils constatent que leur femme ne s'occupe plus de leurs activités. Ils cherchent à faire un effort pour découvrir qu'est-ce qui occupe leur femme. Et au moment opportun, ma chère, rassure-toi que quand tu fais cela, tu utilises ta tête. Ok? Ok. Maman, je vais rentrer demain. Je suis juste surprise qu'il ne m'appelle pas jusque maintenant. Ah, t'inquiète, ça va aller, ne te fais pas de soucis. Tu sais que le mariage, c'est pour le pire et pour le meilleur. Je sais. Ça va aller. Nine. C'est comment pour l'argent que tu m'avais promis pour acheter ce que je t'avais dit? Nani, c'est comment pour l'argent, non? Papa, je avais dit que tu vas arrêter avec le tabac. Qui t'a dit ça? Hein? Papa, mais c'est pas bien pour ta santé. Papa, ne sais-tu pas que le tabac nuit gravement à la santé? Laisse-moi en juger. Prudente, pourquoi est-ce que tu te déranges toi-même? Hein?
Même si tu emmènes ton père de Jérusalem jusqu'à Jéricho, il va toujours consommer les tabacs. Alors s'il te plaît, laisse-le se mettre tranquille. Je t'en prie. Tu as entendu ta mère. Écoute-la, ok? Il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas entre les hommes et les tabacs. Au fait, comment vont tes études? Papa, ça se passe bien. Es-tu sûre? J'en suis très sûre. Non, et pourquoi est-ce que tu dis ça? As-tu des doutes? Hein? Ne sais-tu pas qu'elle a hérité de moi l'intelligence? Hugo, dis. S'il y a quelque chose dont j'ai la maîtrise, c'est mon intuition, à savoir quand les choses marchent bien et quand elles ne marchent pas. Ma fille. Papa. Akwangwam. Papa. Si tu as des problèmes au niveau de l'école, quoi qu'il en soit, peu importe sa forme, ou que tu fais face à un problème dans la vie, quoi qu'il en soit, rassure-toi de me le dire, ton père. D'accord. Est-ce que tu m'entends? Oui, papa. C'est très important. Parle-en à ton père. Mmh. Il y a des confidences entre père et fille. Donc et tu m'exclus maintenant. Hugo, je ne t'exclus pas. Donc il n'y a rien entre père, fille et mère. C'est ça? Juste entre père et fille. Pas de problème. Où est l'argent que je t'avais demandé pour acheter mon truc? Ugodia. Ugodia. Dis-moi seulement si tu en as. Combien de fois t'ai-je appelé? Combien de fois t'ai-je appelé? Oh Seigneur. Cassie. Desmond. Wow, ce monde est très petit. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien, je viens en peine d'arriver et je me suis décidé de faire un peu de shopping. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi de même, je suis venue faire le shopping. Wow. Ravi de te voir à nouveau. Tu as l'air splendide, tu sais. Merci. Bien, je n'aimerais pas te prendre trop de temps debout comme ça. Puis-je au moins avoir ton numéro? Comme ça, je peux t'appeler. Puisqu'apparemment, tu n'utilises plus ton ancien numéro. Allez. Desmond. Je suis mariée. Alors, je sais que tu es mariée. Ne pouvons-nous pas être amis? Ouais, pas mal. Ok. Oh, wow. Cassie, trop bien, je vais t'appeler. Je suis très heureux de te revoir. Je sais. Tu es jolie, tu sais. Merci. Ravi de te revoir. Okay. Très ravi de te Pas revoir. Pas de problème, d'accord. Heureusement que j'avais ces sacs avec moi. Il va bien croire que j'étais venue faire le shopping. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Allez, s'il te plaît, je croyais que tu allais me demander les news de mon Bobby. Excuse-moi. Oh mon Dieu. T'inquiète pas, le tien viendra bientôt. De ça. Nous allons aussi aimer. Ton prince charmant viendra. Nous allons aimer ma chère. Je te le dis. Hey, babes. Hey. Kossi, qu'est-ce qu'il y a, tu cours comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Y a quelqu'un qui te poursuit? Depuis quand la maison des Tricia est devenue la tienne? Merci de lui avoir posé cette question. Cette fille vient ici tout le jour et elle envahit mon espace. Et elle ne me laisse même pas avoir la paix. Tu dois être heureuse parce que je vais te tenir compagnie tout le jour. Tu dois me remercier. Allez, des grâces. Arrête ça. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu courais? Devinez qui j'ai vu aujourd'hui. Esprit, comment? Allez, je veux deviner quoi? C'est quoi? Sois sérieuse. Hein, ma sœur? Allez, devinez. Ma belle, on est nul en devinette. Alors, dis-nous qui tu as croisé. Ok. J'ai vu Desmond dans ma boutique. Desmond? Quel Desmond?
Le même Desmond que vous connaissez. Desmond, ton ex-petite amie? Oui, Desmond, mon ex-petite amie. Bébé, tu as vu Desmond de tes propres yeux? Mm-hmm. Est-ce qu'il a vraiment changé? Mm-hmm. Loin de là. Bon, il était en forme pas mal. Ben, il avait une bonne mine. Oh, mais oui, on le sait, c'est pas nouveau. Tu l'as laissé tomber à cause de Richard. Ah non, non, non. Pourquoi tu dis ça? Tu le dis comme si c'était un acte délibéré. N'est-ce pas qu'il n'était pas prêt pour le mariage? Il n'était pas prêt pour une vie de famille? Qu'est-ce que vous attendiez de moi? Croiser mes pieds? M'arrêter et m'asseoir pour l'attendre? Peu importe, ça suffit. Ma chérie, je ne faisais que plaisanter. Ah. Ah. Alors, dis-nous, comment s'est passée votre rencontre? Rien de grave, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné, puis c'est tout. Tu lui as donné ton numéro? Alors, s'il veut te reprendre? S'il veut, il veut qui? Toi. Ça, ce n'est pas possible, même pas dans les rêves. Je suis mariée. Hello? Ok, ok. Oh, ma chère amie, tu dois être prudente. Sois prudente. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu es déjà mariée. Mm-hmm. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de dire. Ok, c'est bon. Je vous comprends parfaitement. Mm-hmm. Mm, je le suis. Ne me bombarde pas avec des conseils. Trouve-moi un truc qui va me rafraîchir. C'est juste chaud que j'ai apporté. Apporte de l'eau. Apporte c'est ta de maison. L'eau. Pas de problème. Je reviens te parler de Bobby. Excuse-moi. Hein? Bobby. N'importe quoi. Eh, mon mari. Oh, Ogodia. Bienvenue. Merci, merci, merci. Hey, comment tu vas? Je vais bien. Comment évolue toute chose? Comme tu peux bien le voir. Très bien. Merci. Eh. Hey. Ogodia. Non. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Quelque chose genre quoi? Je ne comprends rien. Je parle en me référant sur la dernière visite de Kosiso Chukwu ici. Ouais, derrière cette visite, elle avait sûrement un problème à part nous voir seulement. Oui. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de parler avec elle. Parce que je l'avais vue en train de parler. Ouais, mais du souci, elle en avait vraiment partout dans son visage. Oh, je me dérange. Non, ne te dérange pas. Il n'y a rien du tout. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. D'ailleurs, elle l'a déjà résolu. Es-tu sûr? Oui. Mais comment est-ce que... Tu ne m'as même pas fait part de ça. Naï, comme je viens à peine de te dire, tu n'as pas à t'inquiéter. Elle l'a déjà résolu. Ça concerne juste les femmes. Très bien, alors. Ok. Si tu dis ainsi, qu'est-ce que je vais manger? Tu sais, cette soupe que tu m'as toujours faite là, ma préférée. Hein? Ça fait un temps que je ne la mange plus. Voilà vraiment. Pourquoi je fais ta soupe préférée. Tu vas aimer aujourd'hui. Allô, mon ange. C'est Desmond au téléphone. Oui. Je me t'ai dit de t'appeler et savoir comment tu allais. Exactement. Et je me t'ai également dit de t'acheter une boisson ce soir. S'il te plaît, ne dis pas non. Ne dis pas non, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Ok, très bien, merci. Je t'enverrai l'adresse et l'heure, ok? Mm-hmm. Ok. Yeah. Bébé, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous puissions passer un moment autour d'un verre.
Juste comme ça? C'est tout ce qu'il a dit. Désolée. Un instant. C'est lui. Il vient de m'envoyer l'adresse là où on doit se voir. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je t'ai conseillé d'être prudente. Mm-hmm. Sois prudente. Ce qui est plus important, ne te laisse pas faire. Ça veut que vous ne faites pas confiance? Non, nous te faisons confiance à 100%. Mais je veux que tu saches qu'après toutes ces années, Desmond a sûrement changé. Je suis sûre qu'il n'est plus le Desmond que tu as connu dans le passé. Écoute, ce gars est malin. Alors je veux que tu télécharges de la sagesse. Ouais. La sagesse. Ouais, ma chérie. Richard a raison. Je crois que tu ne sais pas de quoi ce garçon est capable. Sérieusement? Vous ne me faites pas confiance toutes deux? Soyez apaisées. Ne vous en faites pas, je sais que je suis mariée. Je sais bien que je suis engagée. Pas de je problème, si tu le dis, donné. Ok. Écoutez, c'est un petit cas. S'il a changé, ok, d'accord, moi aussi j'ai changé. Ah oui, sérieusement, vous n'avez pas à vous en faire. Oui. C'est ton problème. Ok, tu veux me dire qu'il n'a pas envie de te faire encore. Bien sûr. De la même façon qu'elle ne doit pas le sous-estimer. Je suis au contrôle. C'est bon, si tu le dis. Ok, je l'ai dit. Donc c'est comme ça que tu sers les gens chez toi. Veux-tu la fermer? J'ai demandé le vin rouge et toi. Et toi, tu m'apportes le rouge. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alors comment vas-tu et comment va ta femme aussi? Ok. Oui. Quand est-ce que vous viendrez me rendre visite? Ah! Oh! Richard, tu recommences. Pourquoi as-tu soudainement changé d'idée? Vous étiez censé venir me rendre visite au courant de ces mois. Oh! Ok, ok, c'est dû au travail. Mais n'oublie pas, s'il te plaît. J'ai vraiment envie de te voir, je t'en prie. D'accord. Mes salutations à Kossi. Bye. Richard. Kiro. Maman, j'ai tout fini. Aussi vite? Oui, maman. Merci. Pas de problème, maman. Kiro, s'il te plaît, j'aimerais que tu te rendes au marché et m'acheter quelque chose. Ah, ok, maman. S'il te plaît. Pas de problème. Oh, s'il te plaît, va prendre un stylo et un bout de papier pour que j'écrive ce que tu vas acheter. Ok, maman. Oui. Mais maman, comment va alors ton fils? Oh, il va très bien, merci. Ah, d'accord, maman, s'il appelle prochainement, dites-lui que Kiro l'a salué. Pourquoi je ne le ferai pas? Après tout ce que tu fais pour moi ici à la maison, tu laves les assiettes, tu laves les habits, tu balayes tes fées pratiquement. Bien sûr, je lui passerai tes salutations. D'accord, maman. Ok. Je vais l'en prendre. Un bout de papier? D'accord. C'est sur la table? Oui. Apporte aussi un stylo. J'avais vu ça. C'est bien. Ah, Kiro. Une bonne fille. Alors, raconte comment tu vas. C'est comme tu vois, ça va. Oui, tu as l'air en forme physiquement. Mais je peux toujours voir que tu es inquiète. Le fait que je sois assise ici, avec mon ex en train de discuter, je ne sais pas moi quoi. Il devait donc pas me déranger. As-tu oublié sitôt que je suis un psychologue? Mon instinct me dit que ton inquiétude n'a rien à voir avec le fait que nous soyons ici, nous deux. Ce n'est pas pour appliquer ta profession que tu m'as invité ici, d'accord? Non, je suis désolé. Je n'ai pas assez de temps, s'il te plaît. Je suis désolé.
C'est bien de t'avoir ici avec moi. Merci. Ce que je suis sur le point de dire peut paraître fou. Mais je t'aime toujours. Et je veux que tu me reviennes. Ce que tu dis n'est pas seulement fou, mais tu es toi-même fou. Tu oublies que je suis mariée? Oui, tu es mariée. Tu es mariée. Tu sais très bien que ces gardes t'avaient volé entre mes mains pendant que je me battais. Je me battais pour survivre, pour donner un sens à ta vie ainsi qu'à la mienne. Je te veux maintenant. Je suis de retour. Je suis prêt à te prendre en charge. Je suis prêt à réaliser tes rêves. Je suis désolée de te décevoir. La femme que tu réclames être la tienne, elle n'est pas toi. J'appartiens à un autre. Je suis mariée à un autre homme. Alors dis-moi, est-ce que ta vie amoureuse avec ce gars est mieux que ce qu'on a vécu moi et toi? Tu ne t'attends pas à ce que je réponde à cette question, je crois. Oh, bien sûr que oui. Réponds. Si seulement tu veux te rendre un service. Je n'ai rien à te dire là-dessus. Ça, c'est parce que tu refuses de voir la vérité. Tu sais quoi? Je vois que c'était une erreur pour moi de venir ici pour parler avec toi. Ouvre tes oreilles et écoute-moi. Va faire ta vie. J'ai déjà fait la mienne en épousant un autre homme. Tu dois faire la même puisque j'appartiens à quelqu'un d'autre. J'aime mon mari et je ne veux pas qu'il y ait une tierce personne dans notre amour. Je ne veux pas te laisser. Faut-il y jouer? Décroche ce téléphone, Cassie! S'il te plaît, vas-y, décroche. Cassie, s'il te plaît. Cassie, s'il te plaît. Je veux juste te parler, s'il te plaît. Thank you.
Chalier, décroche, décroche. Décroche ce téléphone, bordel. Non, mais décroche ce téléphone, Kossé. C'était quoi ce que tu as fait? Écoute. C'est quoi ce que tu as fait la nuit dernière? Mais quoi? C'était quoi? Tu m'appelles avec insistance la nuit? En fait, tu ne savais pas que mon mari était là. C'est quoi ton plan? Ok. Comment tu m'as trouvé ici? Oh, Cassie, tu as vraiment changé. Ça, ce n'est pas toi. Comment peux-tu me mentir à propos de cet endroit? Comment? C'est ma vie et mon choix. Je choisis à qui dire la vérité comme je veux. Je te demande encore, comment tu m'as trouvé ici? Et c'est quoi ce que tu as fait la nuit dernière? Cassie, je suis désolé. Je suis désolé. Écoute, tu sais que je ne peux pas supporter voir un autre homme te toucher. Excuse-moi? Ça me rendra jaloux. Je ne pourrai pas les supporter. Je deviendrai fou. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu sais de quoi je parle. Tu sais que je n'aime pas quand un autre homme te touche. Je perds le contrôle. En fait, je confirme maintenant que tu as vraiment perdu tes sens. Complètement. Alors, que veux-tu que je fasse? Attends un peu. Si mon mari ne me touche pas, il va me toucher. Est-ce que tu vas bien? Si tu entends parler, vraiment? Que veux-tu que je fasse? Va faire ta vie. Trouve-toi une femme, marie-toi, juste comme je l'ai fait. C'est ce que tu dois faire. Que si je ne peux pas? Je sais qu'on a été pendant longtemps loin l'un de l'autre, mais on peut recommencer. Je veux qu'on redevienne ce qu'on était l'autre fois. Car si pendant toutes ces années, je n'ai rêvé que de ton retour dans ma vie. Quitte mon shop. Si tu ne veux pas partir, tu peux rester là. Je m'occupe de mes clients. Hey, salut. Comment vous allez? Ça va bien. Ok. Je suis un peu rapide. Est-ce oui, que tu d'accord. Veux rentrer tout? Regardez bien, vous allez okay, trouver madame. Certainement les habits que vous allez aimer. C'est un nouvel arrivage. Vous avez ceci dans d'autres couleurs? Oui, oui. Passe derrière dans l'autre rayon, tu le verras là-bas. Nous avons des montants en détail pour trouver tout ça. Vous serez satisfaite. C'est très joli. Regarde bien. Vous allez aimer. Pourquoi ne réponds-tu pas à cet appel? Mais ce n'est pas un appel important. Et qui est-ce qui appelle? Ce sont mes clients. Elles veulent prendre les habits en crédit. Et je leur avais dit qu'en crédit, ça ne serait pas possible. Mais
Éteins juste le téléphone. Ils arrêteront d'appeler. Ah. Ben voilà, ça marche à tous les coups. Maman, tu as fait un mauvais rêve. J'espère que tout va bien. J'ai fait un très mauvais rêve. Qu'est-ce que c'était? Tu sais comment mes rêves deviennent toujours réalité. Honnêtement, c'était très mauvais. Je n'aime pas ce que j'ai vu. Comment est-ce que ma jolie Cosi Tochuko peut pleurer? Où est ton père? Peut-être qu'il est dehors. Laisse-moi aller voir. Non. Non. Non, je rejette. Je rejette toute puissance de l'ennemi Satan qui est en train de combattre ma fille Cosi Tochuko. Au nom puissant de Jésus, toute puissance maléfique, toute attaque du monde des ténèbres, tu n'as aucun pouvoir sur ma fille au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions qui te poursuivent, ma fille, au nom puissant de Jésus. Seul le sang de Jésus te couvre en ce moment. Je te couvre le sang de Jésus. Tu es protégé par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ugodia. Ugodia, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Nani, je fais un mauvais rêve sur Cosi Tochuko. Toi avec tes rêves encore? Hein? Mais Nani, tu sais bien comment mes rêves se réalisent. Je n'aime pas ce que j'ai vu. Non. Qu'est-ce que tu as vu cette fois-ci? J'étais hors de la maison. Et maintenant, Cosi Tochuko était vraiment devant moi. Et lorsque j'avais levé mes mains pour essuyer les larmes, elle a disparu. J'espère que tu n'essayes pas de déranger le mariage de notre fille avec toutes tes histoires basées sur des rêves qui n'ont pas de sens. Naï, pourquoi peux-tu dire cela? Comment peux-tu dire que mes rêves n'ont pas de sens? Cosi Tochuko est ma fille. Et je dois toujours m'inquiéter pour ce qui ne marche pas avec elle. Oh oui, écoute. Je ne dis pas que tu ne dois pas t'inquiéter ou te soucier d'elle. Mais je ne cesse de te rappeler que dans chaque circonstance, étant sa mère, tout ce que tu dois faire, c'est de prier et laisser Dieu agir. J'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà prié, mais... Mais quoi? Mais quoi? Ton problème est d'avoir la foi, une forte foi. Tu es juste une femme de peu de foi. Oh mon Dieu. Tu n'as pas de foi.
Tu as besoin de la foi. Et c'est ça que tu manques maintenant. Oui, ta foi, c'est la seule chose qui peut te sauver. Mais pour moi, je sais que mon Dieu a déjà pris le contrôle de tout. Et il le fait pour moi. Tu dois avoir une telle foi. Hein? Mais pourquoi tu ne parles pas? Vas-y. Je te dis que tu dois avoir cette foi. Oui, Godia. Tu sais que tu ne résous jamais les problèmes. Ah, que veux-tu que je fasse? Veux-tu que je commence à pleurer, à crier par-ci, par-là? Que je commence à me jeter comme ça? Je ne suis pas une femme, alors je ne peux pas faire ça. Je crois très fort à mon Dieu, à mon Chinedum. Et il est tout ce dont nous avons besoin. Terminé. S'il te plaît, apporte-moi mon tabac, ok? Pourquoi tu me regardes comme ça? Apporte-moi mon tabac. Écoute, ma femme, tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la foi en Dieu. Il va faire. Tu me connais bien. J'ai toujours parlé tel que les choses se présentent. Car je suis un homme intègre. Mais Mazien Doudé a été contre nous sur la vente de ce terrain. Tu vois, à chaque fois que nous parlons de ça dans la réunion du conseil, il s'y est toujours opposé. Hein? Et je ne sais plus du tout quoi faire. Tu sais que tu m'as toujours fait des révélations sur Mazien Doudé. Que tu as observé ceci, cela, etc. Et je t'ai toujours écouté. Tu sais de quoi je parle? Non, Nai, non. D'accord. Ce que j'essaie de dire est que nous aurons une réunion demain. Et j'ai vraiment besoin d'un conseil sur la manière dont nous devons gérer ce Mazien Doudé. Car il est le seul à s'y opposer. Tandis que moi, je suis d'accord. Et tu sais que c'est moi qui dirige le projet. C'est très, très important que je sache exactement quoi faire. Alors, j'ai vraiment besoin de ton conseil sur ça, car la réunion est prévue pour demain. Est-ce que tu comprends? C'est la chose la plus importante que... Ugodien. Oh, ah, my. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Hein? C'est quoi le problème? Pourquoi es-tu devenu si pensive? Hein? Qu'est-ce qui te dérange? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, dis-moi. Je sens qu'il y a un sale papa. Je sens comme s'il y a quelque chose de mal qui veut arriver. Ah, Ugodia, rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Je t'ai déjà dit d'arrêter de penser qu'à cause de telle ou telle autre situation, quelque chose de mal va arriver. Rien de mal ne va se produire. Ah ah! Tu dois essayer de penser différemment. Je vais essayer. S'il te plaît, il serait mieux que tu essaies. Tu vois, je n'aimerais pas que ce que tu traverses puisse affecter ta santé. Parce que tu ne fais que penser à tout moment. Tu penses toujours profondément. Et ça commence vraiment à me déranger. Tu vois? J'ai entendu Nai. Je veux essayer. Demain matin, j'irai à la réunion du conseil. Pense à ça car j'aurai besoin de tes conseils.
pour que je sache quoi faire car ma zone de deux devient trop compliquée. Desmond, qu'est-ce que tu viens faire ici? N'est-ce pas que je t'ai interdit de venir dans ma boutique? Mais tu sais que je ne peux pas. J'ai bien essayé de t'oublier, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas que tu dois faire un choix ou non. Tu dois le faire. Tu es obligé de le faire. Bien, je le ferai. Je le ferai, mais j'aimerais que tu me fasses une faveur. Juste dis-le. Je te promets que juste après, je ne vais plus te suivre. Dis-le. Tu n'as qu'à le dire. Bien, qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je manqué quelque chose? Oh, non, non, non. C'est mon client. Il était juste au point de partir. Oh. Avant ton arrivée. Oh, d'accord. Il n'a pas l'air content du tout. Oh oui, oui. Les marchandises qu'il a commandées ne sont pas encore arrivées. Ok. Je pense que ce visage m'a l'air très familier. Non, 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 tu ne le connais pas. Je te dis vrai, chérie, j'ai déjà vu ce gars-là quelque part. Bébé, est-ce que tu peux arrêter de t'occuper de mes clients? Hein? Parle un peu de nous. Je suis désolé, ok? Je suis venu pour t'inviter à manger avec moi. Parce que je suis censé voyager aujourd'hui même pour le travail. Alors prépare-toi, nous... C'est arrivé jusqu'à ce point. Tu veux voyager pour le business? Donc c'est jusqu'au point de ne plus rien m'informer sur toi? Non, ce n'est pas du tout ça, chérie. Ce n'est même pas comme si j'essayais de te punir. Non, pas du tout. C'est juste un voyage d'affaires inattendu. Et je suis obligé d'y être. C'est juste ça. Je n'essaie pas de te punir ou de te faire quoi que ce soit. Sérieusement. C'est pour combien de temps que tu vas juste prendre? Juste 2 semaines et je serai là. 2 semaines pleines pour un voyage inattendu? Pour de vrai? Chérie, je viens de te dire que j'étais désolée, hein? Ok? Je suis désolée. Je n'ai pas d'autre choix. Puisque tu dis que tu es désolée, je dois accepter. Ah, voyons, chérie. Je souhaite juste que tu fasses la même avec moi. Allez, arrête de dire ça. Nous n'avons pas besoin d'en parler là tout de suite, ok? Allons-y seulement. Hein? Bien sûr que je vais venir. Est-ce que j'ai un choix? Prends ton sac. Ah, d'accord. Ah, oh, salut, comment vas-tu? Ça va, monsieur. Ça se voit que tout va très très bien pour toi. Hein? Ça se voit. Je suis désolé de ma réaction de l'autre jour. C'était un peu plus fort que moi. Je suis désolé de t'avoir négligé tout ce temps. Ici, en train de me dire tout ça parce que tu m'abandonnes pendant 2 semaines. Non, tu ne dois pas dire cela. Je ne t'abandonne pas du tout. Et tu sais que je ne puis le faire. Je t'en prie. Je veux juste que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner. Ok? Je suis contente que nous soyons de retour ensemble, avec beaucoup d'énergie. Tu sais, ces moments excitants que nous passons tous ensemble me manquent. Oh, crois-moi, nous allons rallumer notre flamme. Quand je reviendrai, tous ces moments excitants, nous allons le faire revivre. Et en mieux, et plus fort que jamais. D'accord? D'accord, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Non, maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais tombée la nuit dernière et l'os s'est un peu déplacé. You should have stayed at home instead of moving it up and down.
No, Mama, I am here because he said I should come and help you with some house chores. Giru, how could you choose house chores over your well-being? It's not done. It's okay, Mama. I am not complaining. I can manage. I am complaining. Please go home and rest this leg. Meanwhile, I wanted to send you to my tailor, but let me rush and go there myself. Please, take this and buy some antibiotics for yourself, okay? Thank you, Mama. You're welcome. Please. Well, let me rush to the tailor, okay? I'll come you are not coming with me. Mama, please, with manage. Your leg like this. I can manage, Mama. Bam, 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 bam. Don't come with me. Hey! Hey! I am one to. Ekele mi o abepa mo so abepa no to wa kan se da lo ifi emele yin emele ne emele ndi beyin se be da lo tutu obun abepa be ge kini oku e anya won tutu ni se boro wa se be da lo ifo fechi eme abepa be se da lo e mi nke aga da oku e. Il faut que l'on aille même au lycée pour l'on aille même une quête. Un quoi? Une quête. Et que? Et j'ai mis en moi. Oh, lié. Aussi, c'est un cahier de zuike. Et j'ai mis une quête. Enfant, et mon quête. On va cahier tano, cahier lieno. Ali Bama, who was a guy at Bama, I said, What are you talking about? You know exactly what I'm talking about. Eh? Every morning, you come out here with dry gin and cola nut and begin to pray. Instead of praying directly to God Almighty, you are here praying to something I don't even know. Ugodie, ignorance is a disease. I can see that the evolution of time has really removed and stricken out. What we do in our culture has taken it away from your brain. There's no doubt that our God is supreme. I believe in God. At the same time, our culture and traditions are the most important thing. And we have to always say thank you to our ancestors. It's very, very important that we do that. Go there. I'm a man of tradition, and I will continue to respect our culture, because our tradition is supreme. It is not necessary. This is not necessary at all. I don't know why you are. Ugodie, why do we keep talking about this all the time, Ugodie? It's not necessary. Meaning what? Meaning what? Our ancestors are very important in our lives, and that is. By the way, where is my food? Why are we talking about this? Where's my food? Salut, bébé. Tu commences à me rendre mal à l'aise. Je t'ai interdit de venir dans ma boutique. La tête que tu fais commence à me perturber. Tu as failli me causer des troubles hier avec mon mari. Je suis désolé. Regarde.
suis vraiment désolé à propos de ça, ok? C'est quoi ta raison d'être ici? Continue à te demander la faveur que je te demande tout ce temps. Quelle faveur? Tu peux le dire. Ok. Je sais que tu as oublié, mais je te pardonne. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je veux que tu viennes dans ma maison pour le célébrer avec moi. Quoi? Venir où? Ça, ce n'est même pas possible. Mais qu'est-ce que je vais venir faire chez toi? Je ne viens pas chez toi, s'il te plaît. Tu as assez de monde que tu peux inviter avec qui tu peux célébrer ton anniversaire. Je sais. C'est vrai, j'ai assez de monde que je peux inviter pour célébrer mon anniversaire. Mais j'aurai aussi besoin de ta présence pour que cette journée me soit spéciale. S'il te plaît, accepte cette petite demande de ma part. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît. Desmond, s'il te plaît, arrête de m'embarrasser. Lève-toi, s'il te plaît. Je ne vais pas me lever d'ici si tu n'acceptes pas ma demande. S'il faudra que je reste ainsi toute la journée, je le ferai. Ok, d'accord, lève-toi. Tu peux te lever maintenant. S'il te plaît, lève-toi. Tu promets? Je serai là. Lève-toi. Merci. Ne sois pas si excité puisque je ne veux pas rester pendant longtemps. C'est bon, ça me suffit. Merci. Merci beaucoup. Je t'enverrai l'adresse et l'heure une fois quitté ici. Crois-moi, tu vas aimer. Promets-moi juste qu'après ça, tu ne viendras plus me déranger. D'accord. C'est promis? Oui, je te le promets. Viens. Merci. Aide-moi, Seigneur. Ok, s'il te plaît, fais comme chez toi. Où sont les autres personnes? Mais nous sommes déjà 19h. Comment tes invités ne sont pas encore là? Oh, de quel invité parles-tu? Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu avais invité l'autre personne avec qui tu veux célébrer? Où sont ces personnes avec qui tu allais festoyer? Oh, regarde, Cassie. Je n'ai pas besoin du monde pour célébrer mon anniversaire. Ce jour est très spécial pour moi. Et je n'ai besoin que de toi pour le rendre mémorable, c'est tout. Nous ne sommes pas convenus comme ça. Je dois partir. Pourquoi ai-je l'impression que tu as peur? Peur de quelque chose?
Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je m'inquiète juste. Tu t'inquiètes pourquoi? Je suis soudainement devenu un tueur et je vais te tuer, c'est ça? Allez, arrête, je suis pas aussi rudicide jusqu'à ce point. Ok. Maintenant que tu es là, pour mon anniversaire, tu comptes déjà m'abandonner. Vraiment? Qu'en est-il de la promesse que tu m'avais faite? Non, c'est à moi de répliquer. Est-ce que tu as tenu à la promesse? Tu voulais dire quoi? Que voulais-tu dire? Tu vois, tu n'as même pas une justification pour toi-même. Je ne t'ai jamais fait une promesse sur qui tu devrais rencontrer pendant mon anniversaire, n'est-ce pas? J'ai juste promis de ne plus te déranger après aujourd'hui. Ok, bien, tu as gagné. Bien. Maintenant, sois mon invité. Allez, viens t'asseoir. Trop bien. Merci. D'accord. Et c'est quel genre d'anniversaire comme ça? Pas de souhaits, pas de chansons, pas de sourires, rien que la colère. Bien, j'aime ça. Bien. Alors, nous allons célébrer pour mon anniversaire. Te rappelles-tu de mon dernier anniversaire que tu as célébré? Certainement pas. Mais aujourd'hui, tu en célèbres. Tu es trop belle. Joyeux anniversaire. Honnêtement, tu n'as pas trop changé. Alors, ça c'est la célébration de la vie, la célébration de l'amitié. Ne vas-tu pas chanter pour moi, vraiment? Joyeux anniversaire. Ok, très bien. Vas-y, joyeux, j'aime beaucoup ça. Joyeux anniversaire de ce monde. Joyeux anniversaire. Alors, nous allons boire à notre amitié. J'attendais que ces jours viennent où je célébrerai mon anniversaire avec toi. Alors, Toston, je te souhaite le bonheur du monde. Je te souhaite la vie et la prospérité. Oh, regarde, Cassie. À nous et à Dieu qui a fait en sorte que nous nous retrouvions ici. Mm-hmm. Alors, c'est le moment du gâteau. Je vais te laisser couper les gâteaux. Puisque tu es mon invité spécial, je te laisse couper les gâteaux. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, j'insiste. C'est ton anniversaire, s'il te plaît. Ok. J'aurai besoin de ta main pour m'aider. C'est mon anniversaire. Je peux demander de l'aide. Ok. Ce n'est pas mon anniversaire. Donc, s'il te plaît, c'est ma main anniversaire. Doit être au-dessus de ta main et non le contraire. Ok. Qui est-ce que je peux souhaiter? Akasi. Joyeux anniversaire à moi-même. Vrai, je m'en rappelle toujours. Rappelle-toi comment nous faisions quand nous étions à l'école. Tu vas creuser un grand trou. Et là, tu vas utiliser tes doigts pour le finir, apparemment. Sens-toi à l'aise, ne t'inquiète pas. Je ne saurais le finir moi-même. Non. As-tu besoin de plus de vin?
Non, c'est juste un peu, un peu. Non. Vas-y, juste un peu. Non, arrête. C'est comme au beau vieux temps. Tu veux mon vin? C'est comme si tu es ivre. Doucement, doucement, doucement. Ok. Essaye de finir ça. Tostons. 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 Ok. 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 Non. Ok. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, chérie? Y a quoi? C'est quoi le problème? Regarde-tu par quoi tu m'as fait passer. De ce monde, regarde ce que tu m'as fait. Je dois partir. Tu ne peux pas rentrer, en tout cas pas maintenant. Il est très tard. Il est presque une heure. Oh, Seigneur. Ça, c'est exactement ce que j'ai évité. Comment peux-tu avoir peur? Comment peux-tu avoir peur de quelque chose que moi et toi avons aimé? Tu sais, la réaction que tu as donnée, aucun homme qui a tous ses sens ne peut résister à cela. Tu t'es collé à mon corps, la façon dont tu m'avais serré, la façon dont tu m'avais touché. Même quand je voulais arrêter, tu m'as supplié de continuer. J'ai aimé ces moments. Et je maudis les jours où j'étais perdu. Assez! Arrête! Épargne-moi des détails, s'il te plaît. Tu sais que cacher la vérité n'est pas mon truc. Ce qui s'est passé entre toi et moi vient juste de réveiller tous nos moments du passé. Je dois être honnête envers toi. Je ne regrette pas ce qui vient de se passer. Je veux que ma femme me revienne. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour t'avoir à nouveau. Je t'aime toujours. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer. S'il te plaît. J'aimerais qu'on le fasse encore. Je veux que ça continue. Je veux t'avoir pour moi seul. Non, 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 je ne vais pas. Laisse-moi. Non, non, arrête. Cassie. Non, je dois rentrer chez moi. Cassie. Non, non, je dois rentrer chez moi. Laisse-moi. Cassie. Non, je ne veux pas. Cassie. Thank you.
Ça fait longtemps que je me suis aussi sentie excitée sexuellement. La culpabilité m'a tout envahie. Mais je ne saurais me tromper et dire que je n'ai pas profité de ça. La satisfaction, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. Je l'ai eu chez mon ex en trichant mon mari. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, Dieu ait pitié de moi. Qui est-ce? Hein? S'il te plaît, ouvre-moi. Oui, vous cherchez? Je veux voir ta patronne, s'il te plaît. Ma patronne? Oui. Vas-y, ouvre-moi. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Calme-toi, je suis venu te voir. Tu ne décroches plus mes appels. J'étais dans ton shop à maintes reprises et tes travailleurs m'ont dit que tu n'étais pas là. Pourquoi je dois prendre tes appels? Dis-moi, pour quelle raison? Écoute, reste loin de moi. Je ne vais plus te voir encore près de la maison de mon mari. Tu m'entends? Reste loin. Quand est-ce qu'on va se voir? Te voir pourquoi? Mais écoute, me voir pour nous. Est-ce que je ne te manque pas? Toi, tu me manques énormément. Qu'en est-il de la promesse que tu m'as faite? Je ne peux la respecter. Oh mon Dieu. Je ne peux pas. As-tu oublié ce qui est arrivé entre nous deux récemment? Je ne peux plus jamais te voir encore ici. Emeka! Emeka! Madame! Tiens, dépêche-toi. Écoute, je ne veux plus jamais voir ce visage dans cette parcelle. Est-ce que tu comprends? Non, je ne veux jamais parler ou ouvrir le portail pour lui. Si tu ne fais pas, perdre ton travail. Dégage! Messieurs, messieurs, allez-vous-en. On vous a dit de vous en aller. Allez-vous-en, non? Je ne veux pas perdre mon emploi. A thousand words can't explain how I feel.
a thousand love is not enough to show how much did I feel so bad letting my yesterday come between me and you, baby. No. And I feel like it's not my fault, yet I feel like it's all my fault. And I feel like I can change the heads of time to make amends, but you don't want me to say how I feel. And now I'm lost. I'm lost between two choices to make, but yet in my mind